mois de janvier, on est en mois d'immersion et en fait chaque semaine on est divisé en 4 groupes de 8-9 personnes et chaque semaine on va dans un nouveau média. Donc moi avec mon groupe, la première semaine de janvier on était à Rue 89, la deuxième semaine à TV7, là on est en ce moment à RTL2 et la semaine prochaine on sera à Aki.fr. Alors là en fait on est en train de monter les sons du match des boxeurs de Bordeaux auquel Maxime et Tom ont assisté hier soir. Donc voilà, on travaille sur Audacity. On nous envoie pas mal sur le terrain. Demain j'ai 2 reportages aussi à faire, donc c'est assez intéressant. On nous laisse monter tout seul, donc c'est assez formateur. On nous fait assez confiance, on nous donne pas mal de responsabilités. Mais là on était en train de préparer les questions pour l'interview qu'on va avoir à 10h en studio avec Mathieu Delaplace, un imitateur. Qui va faire son premier one-man show à la Medoking, tout à Lens, la semaine prochaine. Et donc, qui a fait incroyable talent, entre autres, qui était en demi-finale. Belle était maquillée de Michel Chiné, accordée au jukebox. La nage, je n'en pouvais plus. C'était Michel, chez RTL2. Je les reçois pour une semaine, je les envoie sur les reportages pour alimenter les chroniques pour RTL2. Et ils font la chronique de A à Z, donc ils se déplacent avec le micro de la radio. Ensuite, ils font le montage de l'interview qu'ils ont réalisé. Et ils rédigent la chronique et moi, je la passe ensuite à l'antenne. Donc voilà, le matin, on fait une conférence de rédaction sur les sujets à traiter pour la journée. Et puis, on se répartit les tâches. Voilà leur travail de la semaine.